c'est cool de retomber en enfance, mais bon, on est entre grandes personnes, et puis des fois, il faut être adulte. Et qu'est-ce qu'il y a de plus adulte que les histoires de gangsters? Et à ce sujet, Bugsy... Bref, les meilleures histoires de gangsters se racontent toujours en musique. Des rapaces contre Lyon, père on repère dans son repère de paria à Paris, lui parle puis par Dieu. Il espère être l'expert dans ses parties de poker. Pour pauvres cœurs qui parlent en parure de cuir, se permettent de mettre en péril leur corps, ses pères, perles et pécores. Or ses fils, les trois dont je parle depuis le début pour ceux qui suivent, pères, fils et pourris, se persuadent de permettre qu'ils, leur père, périssent. Au pire, ils pourront s'approprier son pécule et ils persistent bien trop longtemps qu'ils les embobinent. Du coup, ils tirèrent sur le pater qui fut par terre, fallut partir. Car l'inspecteur venait rendre sa visite de courtoisie, prendre son verre de courvoisier, car il vivait dans la cour voisine et allait voir le corps vaseux. Ils passèrent par le passage que prit le policier, mais déjà leur peau palissée car ils saisirent qu'il n'y avait pas d'issue. Ne pouvant se barrer, ils finirent pas baron ni derrière des bureaux mais derrière des barreaux. Douche sans barrière, à se faire buriner par des bourrins. Moralité, freine tes frères quand il s'agit de fric, car s'il y a des flics, bah tu te feras fracasser le froc.